Et retour en direct sur ce plateau après cette rediffusion et avec Emmanuel Cosse. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Olivier. On dit déjà bonsoir parce qu'on arrive au terme hein, de ce congrès digital ou de ces congrès finalement puisque c'est on arrive à la fin des 3+2, 3 jours à Bordeaux, puis plus 2 jours de congrès digital. Qu'est-ce que vous en retenez? Bah écoutez, c'était une première. On avait fait le choix de faire le congrès en présentiel habituel, le congrès en digital, et ça a été un moment très agréable. D'une part, parce que moi, j'ai eu beaucoup de retours, en fait, de ces 2 jours de discussion donc, qui sont faits ici à l'Union, que chacun a pu suivre depuis ses écrans. Agréable parce qu'on a pu voir des personnalités qu'on ne voit pas toujours en plénière, parce qu'on n'a pas une capacité à inviter tout le monde. Vous avez abordé des sujets assez techniques, mais qui sont quand même assez essentiels. Par exemple, le débat que vous avez eu sur la place du logement dans le débat parlementaire et comment ça a évolué, bah, ça montre aussi une partie de nos difficultés parfois à peser, à nous faire entendre. Et puis vous avez, voilà, je pense qu'il y a une diversité d'intervenants et de cette manière-là, je pense qu'on a fait c'est un bon prolongement en fait du congrès. C'est pas un deuxième congrès, c'est une suite un peu différente et en tout cas moi je l'espère, en tout cas moi j'ai proposé qu'on continue l'aventure l'année prochaine. Après je vais faire le bilan avec les équipes évidemment. Évidemment. C'est quoi la suite? La suite pour l'Union, c'est déjà quand même voir si les engagements pris par le Premier ministre il y a une semaine à Bordeaux sont tenus, notamment dans la loi de finances à venir et puis dans les mises en œuvre, hein, notamment pour nous aider à produire plus de logements, avoir accès à plus de foncier public, être plus soutenu auprès des élus locaux pour obtenir nos permis de construire. Et puis la suite, c'est évidemment le moment habituel de tous les 5 ans maintenant, l'élection présidentielle. On va dire d'ici un mois, on va se lancer dans une préparation d'élection présidentielle avec des débats en région, un travail de l'Union sociale pour l'habitat, tous ses adhérents pour formuler des demandes, notre vision. Et l'idée est vraiment qu'on pousse l'ensemble des candidats dans le mois, on va dire, de mars-avril, de se prononcer sur les sujets logement. On en a beaucoup souffert dans la campagne d'il y a 5 ans, cette absence de prise en compte du logement. Et d'ailleurs, on en a beaucoup souffert après, puisqu'on a vu comment le logement social a été une cible quand même privilégiée d'attaques gouvernementales. Il nous semble très important que l'on interroge les candidats sur les besoins en logement, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, quelles sont leurs propositions, et surtout, comment est-ce qu'ils voient notre métier, nos valeurs et nos locataires. Eh bien, merci Emmanuel Cosse, président de l'Union sociale pour l'habitat. Merci à vous de votre attention. Un petit mot de remerciement également aux équipes techniques parce que ça n'a pas été une sinécure de transformer ces salles de réunion de l'Union sociale pour l'habitat de la rue Lord Byron en véritable studio de télévision. Merci aussi au personnel de l'USH chez qui on a mis un beau bazar et qui nous ont accueillis avec énormément de gentillesse. Très bonne soirée à vous tous et puis vive le logement social. Merci.